Uh, bonjour, dickheads. Salut les Français. Uh, English people, this uh, show is going to be mainly in French. Les Français, ça va être majoritairement en français aujourd'hui. Uh, English speakers, the subtitles of this show will be available. I don't know when, uh, if I'm honest, because my subtitle legend, uh, Mr. Maxime Boutet, uh, is uh, is very very busy and he needs help so he has asked me to ask you uh, if uh, if any of you can help Maxime Boutet my subtitle person uh, you basically need to know how to translate french into english and English into French. If you know how to do that, he will teach you how to make subtitles that are compatible with my shit. Uh, so uh, send him an email. Uh, if you are wanting to help Maxime Boutet with the subtitles this week, uh, it's max at fasterforward.ca, uh, max at fasterforward.ca, uh, pour les Français, point C-E, call, yes. Uh, right with that said ladies and gentlemen uh, welcome to another episode of paul taylor's happy hour live happy hour i'm not fucking happy i'm angry i'm always fucking angry Oh mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode. Euh, si vous êtes nouveau, si vous ne connaissez pas le principe du Happy Hour Live, du Happy Hour Live, euh, c'est tous les lundis 20h heure française. Je suis là dans le studio euh, avec un guest. Enfin, des fois c'est pas au studio, des fois c'est ailleurs. La semaine dernière, j'étais avec l'humoriste Vérino en Égypte. Là, je suis de nouveau à Paris euh, avec un nouveau guest de la semaine. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit and welcome to the stage, Mr. Fabien Olika! quase ah, chute Qua, Qu'est-ce qu'il y a Zut. Ben je voulais parler en anglais tout le long. Moi. Ah tu voulais faire ça en anglais. C'est faux, c'est complètement faux. Tu <laughs> n'es pas mentaliste. Bonsoir ah. tout le monde. <laughs> euh, et ben peut-être qu'on parlera de l'anglais euh, un peu plus tard. Alors euh, pour ceux qui connaissent l'émission, chaque semaine je demande aux guests qu'est-ce qu'ils ou aimeraient boire. Donc c'est dans le frigo, je vais aller chercher euh, à boire. Et pendant okay. ce temps-là, euh, si tu veux bien te présenter pour les gens qui bien te sûr, connaissent pas. Bien sûr. Bien euh, genre bien sûr. Euh, tu vois mes parents des fois ils regardent, euh, ils parlent pas français, mais ma mère elle regarde voilà, les sous-titres après. Euh, si okay. mes parents regardent et qui m'ont oublié, <laughs> ça, ça peut être vraiment très <laughs> utile. C'est ça, c'est ça. C'est un appel à mes parents en même. Temps. Exactement. Okay. Donc voilà, représente-toi à tes parents, euh, qui tu es euh, tous les trucs classiques. Je vais aller chercher euh, à boire. Bonjour papa, bonjour maman. <laughs> c'est Fabien Olicard. Et vous... vous... <laughs> Vous auriez pu me reconnaître, quoi. Ça aurait été, ça aurait été sympa. Oui, je m'appelle Fabien Olicard, mais où est donc Olicard Eh oui, Michel Luna, c'est vraiment le message qu'on attendait. Je m'appelle Fabien Olicard, je suis passionné par, euh, par comment marchent les choses, en fait, en gros. Donc, j'ai toujours été passionné par les casse-têtes, par le mental, par le mentalisme, par les sciences. Et j'en ai fait des spectacles sur scène il y a 11 ans maintenant. Et puis il y a 5 ans, j'ai commencé à en faire des vidéos. Et puis il y a 4 ans, j'ai commencé à en faire des livres. Et j'ai créé une armée comme ça avec un empire. Est-ce que tu as un nom pour le... ton armée oui, Les le... Olicardiens Les Olicardiens. C'est vrai non, mais non. Mais ça, ça, ça... non, parce que ça sent l'athlétisme. Je ne sais pas pourquoi. <laughs> mais moi, je vois des mecs qui lancent des javelots quand tu dis les Olicardiens. Et ce n'est pas ça. Je n'ai pas de nom de secte, mais pourquoi pas Ça peut venir. Bah, Peut-être que les, les gens euh, sur le live ce soir ils euh, vont décider ça. Euh, alors, on est en train. Alors, j'ai jamais goûté ça. Ah, parfait. Euh, c'est des a bières respecté, sans alcool il euh, mes choix là c'est du la Grimbergen elle est très bonne sans alcool elle est très bonne elle va brainfuck ton cerveau et dans 10 minutes tu crois que t'es bourré elle va brainfuck le cerveau parce que j'ai goûté de la, à, récemment de la Heineken de la Leffe ouais. euh, parce que je, 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 me, je me mets à, au sans alcool c'est vrai ah un problème. petit peu ouais parce que j ai, j ai, ça fait longtemps que j'ai trop bu mais ça se trouve qu'avant la fin de la soirée les... je vais prendre une vraie les mentalo Erwan exact en 2016 je disais les mentalo c'est vrai Erwan, ouais. Erwan Baron ouais. voilà, Absolument. les mantalons ah les mentalos. Ah oui, ça c'est pas mal parce que c'est un jeu de mots avec la Exactement. boisson, la l'eau uh, Cheers, santé. Cheers everybody at home, santé à la maison. Uh, Là, on peut dire uh, avec excès, puisque ouais. Non, mais moi je me suis mis ah, à Franchement, la... elle est pas mal. Mais oui, je la connais bien. Je me suis mis à la bière sans alcool il y a longtemps. Euh, enfin, il y a déjà un petit bout de temps. Mais récemment, je m'y suis remis au point que c'est ce que je demande dans mes loges en tournée. Parce que ah. moi, je ne sais pas boire une bière. Oui. je sais boire zéro ou quatre ouais tu vois mais il ouais. n'y a pas de juste une et du coup avec la fatigue ou avec le besoin de se concentrer ou quoi putain, je pouvais jamais boire une bière avant de monter sur scène et tout donc maintenant j'ai mes petites sans alcool tu vois et c'est très cool c'est c'est pas mal comme idée ben ouais. parce que mais en même temps euh, avec ta discipline sur scène c'est beau. Il faut être en forme. Ouais, c'est mieux. Ouais. C est, c est, c est <laughs> non, mais après, si je suis bien alcoolisé, je suis le meilleur. Mais il n'y a que moi qui le sais. Le public n'est pas au courant. Et ça, c'est un autre problème. Tu mais vois. après, tu fais des trucs bizarres où les gens, ils font Non, c'est pas du tout, tout ce que j'avais en tête, en je fait. Je pense que... à un moyen de transport sur l'eau. C'est un bateau. C'est bon. Il <laughs> dit C'est pas bluffant. Moi, je trouve que c'est cool. Euh, donc. Euh... Un Attends, et euh, un, un super box de la mort qui vient de sortir, spectacle interactif Oui, c'est vrai. Raquel ton, ton... Rigal, il y a deux jours, mais ça, c'est. Mais je suis. En fait, j'avais un... Mais as plein, es en, es, toi, tu à fond dans tout, là. C'est euh, en entre vidéo, livre, oui. spectacle, truc ouais. où les gens, ils peuvent faire ça à la maison. Ouais. Dude. Mais en fait, mais dis-toi que toute ma vie, j'ai rêvé de créer des choses. Et j'avais plein d'idées, mais j'avais ni l'argent, ni des gens que ça intéressait. Mm -hmm. Tu vois, pour, pour le faire maintenant que j'ai les moyens d'investir et qu'il y a des gens que ça peut intéresser toutes les idées que j'ai je les fabrique tu ouais. vois je pourrais... là je, je suis encore dans la phase d'excitation de je peux faire tout ce que je veux même <laughs> quand c'est pas rentable tu vois c'est trop cool en vrai, et trop donc bien. du coup explique nous c'est quoi le, 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 le truc le, ce spectacle à la maison enfin interactif okay. où, euh, tu les gens en gros explique parce que je viens chez eux à 20h euh, précisément et je fais un spectacle non je plaisante c'est comme moi mon ça truc, me mais... prend un <laughs> temps par contre euh... non non en gros durant le premier confinement je fais le premier one man en ligne justement tu vois sur euh, twitch euh, youtube facebook comme là je le fais gratuitement du coup on a 203 000 connectés c'était ton spectacle que tu jouais non euh... non non non, 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 non. c'est un spectacle autre... interactif que j'écris pour l'occasion en okay. gros la promesse c'est je vous fais un spectacle que j'ai écrit pour l'occasion c'est en live et je vous fais du mentalisme à vous depuis chez vous même si je vous entends pas. Okay. tu vois Donc, c'était un beau challenge. Et je me retrouve avec un spectacle qui est chamé dans le sens où ce que je fais sur scène, je pouvais pas le faire en live, mais ce que je faisais en live, je ne peux pas le faire sur scène. Donc, je me dis, wow, ça, ça, fait, ça fait naître des idées, tu vois. Ouais. Et, euh, et de là, ouais, je te dis, 200 000 personnes se connectent et tout. Et euh, c'est bien pour les gens. Oui, je parle assez ah, long. OK. Et, euh, et on me dit, refais des lives comme ça régulièrement. Et moi je me dis bah ben non c'est pas mon métier par contre de faire des spectacles en live. Ouais. Et là je me dis juste putain ça aurait été chamé s'ils avaient eu des accessoires chez eux que j'avais su à l'avance je leur ai dit fais ça prends ça. Et je me dis mais en fait j'ai qu'à créer une boîte avec le DVD la VOD dedans du matériel et on leur donne tout ça et eux, ils me mettent dans leur écran. C'est du live sans que je sois là. tu vois. <laughs> j'ai trouvé le, mo le moyen de faire un spectacle partout en France sans venir. Tu vois <laughs> et euh, surtout à 3 heures du matin, est tu ça. peux être payé pendant que tu dors. Exactement. Yes. Et ils se mettent à 3, 4, 5 personnes. Il y a du matériel, ils font les trucs et tout. Et après, j'ai pensé le truc plus loin. Il y a genre des tickets de spectacle pour inviter tes potes dedans. Il y, euh, y a un livret de 60 pages où je t'explique plein de trucs de mentalisme que tu peux refaire avec le matériel pour pas que ce soit euh, créé que pour une fois tu sais j'aime ouais. pas gâcher donc en fait le matériel resserre il y a un site internet en plus où tu peux faire des photos avec moi après le spectacle où il y a des <laughs> bonus regarde arrête, arrête. avec détourage automatique et tout là on, on, on l'a testé juste avant la sortie ça c'est Loïc qui bosse avec moi attends je, ouais, je, je, tu peux je, tu peux. Je, je peux brancher ton téléphone comme ça on peut et, <laughs> et en fait tu, tu prends une photo sur le site ça te détoure automatiquement et ça te met euh, et ça te met directement en fait ça t'incruste ton... direct dans la photo ah, c'est bon je pense. Euh, que ah ouais c'est peut-être parce que euh, il va me dire oui euh, faire confiance à cet ordinateur. Ouais, bah il ouais. l'a fait là. Ouais ouais je lui ai dit oui. Et ben il apparaît pas c'est peut-être parce que c'est la première fois que je branche ce téléphone. Tu vois techniquement. Bah, regardez sur mon insta j'ai mis j'ai ouais, photos, bah, sinon, mis les photos. Euh, sinon je mets la photo un peu plus près mais du coup le, le la lumière elle est pas bref. Attends, si tu baisses, tu baisses la luminosité, baisses la luminosité yes, exactement sir. Euh, et là tu verras mon écran voilà. là le point est là. Et voilà. mais euh, là si on met le truc euh... mais là en gros voilà il y a la grosse tête de Loïc qui s'est mise à côté de moi dans le canapé donc il y a <laughs> plein de trucs comme ça en fait il y a plein de concepts en plus bon bref je suis pour une fois je suis fan de mon propre projet mais parce que c'était <laughs> un délire quoi à créer quoi tu vois ça t'a pris combien de temps de faire ça un an et demi ah ouais. mais c'était une terre inconnue il n'y a... a pas de précédent dans le monde d'un spectacle avec du matériel mais qui soit vraiment interactif c'est-à-dire les gens dans le canap il faut qu'ils soient bluffés du début à la fin il faut qu'ils se sentent impliqués à chaque seconde ouais. tu vois et c'était trop cool à fabriquer il euh, y a French Cheese qui dit spectacle de feignasse <laughs> exact exactement <laughs> mais t'as tout compris c'est fou quoi c'est là je suis en train de faire le tour du monde sans bouger de mon pieu quoi et sans être connecté <laughs> euh euh, bonne question euh, de, de Flair Fire. Hein, Fabien, quand un spectacle en anglais pour les anglais bah, euh, Il faudra vraiment que je sois coaché. Alors, il y a deux difficultés. La première, euh, c'est que je les langues, c'est assez compliqué chez moi et c'est assez bizarre parce que j'ai travaillé pendant des années que à l'étranger. Donc, je, parlais, je faisais tout en anglais, etc. Mais pas pour des anglais natifs. Okay. Donc, déjà, on avait tous un anglais de merde, tu vois. Ouais. Dans, donc, <laughs> donc, on donc se comprenait vachement bien. <laughs> euh, et, et surtout, je n'ai pas une très bonne oreille, ce qui fait que je, je n'ai pas bien tous les sons. Donc, en fait, si je. Là, là j'ai arrêté depuis un an euh, parce que je faisais des cours particuliers d'anglais pour ne pas trop perdre, mm -hmm. parce que je vraiment mon accent pas la compréhension mais mon accent c'est un délire quoi ça et déjà mon accent français n'est pas bon c'est à dire que des fois je vais dire euh, je sais pas euh, premièrement au lieu de premièrement tu vois j'ai ah, plein de trucs comme ça qui sont mais qui ça c'est parce que réglés. tu viens d'une région spécifique ou de la Rochelle c'est vrai que on, on s'écoute pas trop les uns les autres mais <rire> <rire> non non mais ouais on a un accent un peu en haut comme ça quoi tu vois mais euh, donc, ouais, ce, ce serait à faire. Et la deuxième difficulté, c'est que, aussi, dans les trucs de mentalisme, il y a plein de petits trucs psychologiques qui joue vraiment sur le langage en fait et je sais pas si je serai aussi fort en mentalisme mmh. en, en, en dans une autre langue que la mienne tu je vois comprends. pour les nuances pour les on appelle ça la double réalité les trucs comme ça je, je suis pas certain est-ce que euh... mais tu comprends l'anglais ouais 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 est-ce je... que, euh, est que tu est-ce que tu regardes ce qui se passe dans le mentalisme en, en, absolument les... ouais. parce que je savais pas moi en fait euh, quand j'étais ado j'étais obsédé et je suis toujours par Darren Brown. Ah oui, bah c'est Dieu le père pour nous. D'accord. Donc ouais, en ouais, vrai ouais. dans le milieu, c'est euh, c'est Dieu le père. C'est euh... Dieu le père et d'ailleurs, tu dois réussir à tuer le père dans ton, dans ta tête pour te dire je ne peux pas faire du Darren, je ne suis pas Darren, je suis capable de trouver un autre univers que celui de Darren ouais. parce que il est il est tellement inspirant, il a tellement trouvé le truc parfait tu vraiment tenté de refaire un peu la même chose quoi oui. tu vois, euh... ouais parce que j'imagine parce que moi étant à, à lire des livres et à regarder plein de trucs sur internet à l'époque euh, et, et lui aussi qui explique un peu comment il faisait des trucs au bout de la 18 millième fois que je regardais je comprenais à ah, je me dis à ça j'ai compris ouais. euh, comment il l'a fait ouais, et puis ouais. c'est hyper fort je t'ai jamais euh, allé plus que plus loin que ça mais j'ai regardé tous ses spectacles ah oui non, non, non mais adoré même il a fait un, une conférence ted tu sais ouais et euh, meilleur conférence du monde je, sur, un, sur un site où on est des mentalistes réunis je, je leur ai mis regarder ça en fait c'est la leçon du jour quoi tu vois c'est à dire que il est pas censé faire un spectacle donc il fait une conférence et c'est une conférence mais en vrai c'est un spectacle et c'est la meilleure mais sur TED en Plus euh, ouais, sur le TED, ouais, ah ouais. tu vois, et euh, ah, il faut que je regarde ça. Et, et, et c'est une leçon de scène, tu vois, c'est même une leçon de marketing parce qu'il parlera jamais de son spectacle, mais tu as envie d'acheter tes authentiques à la fin, tu ouais. vois, c'était il a tout qui va bien, quoi. Non, non, c'est comment euh, donc si tu, dev, tu, tu, tu on disait tout à l'heure que te, quand tu as commencé à faire des vidéos, il euh, avait personne connaissait c'était quoi le mentalisme euh, en vidéo, comment tu le définis ton boulot, tu définis donc tu dis que tu es mentaliste, d'ailleurs, tu ouais. sais, ça veut dire quoi en, en British English, un mentaliste. Ah à part euh, non, non, ce ouais. que tu fais comme milieu. En fait, ça veut dire quelqu'un qui est vraiment fou et. et euh... Et okay. genre cinglé, okay. tu peux dire wow, he's a fucking mentalist. Ça veut dire qu'il est. Il, ah ouais, bah, c'est la bonne bien. def du coup. Ouais, mais ça. <laughs> on a la définition <laughs> de, du vrai boulot ouais. de, de mentaliste et, et on a la, la version en mode. Euh, mais c'est que en, en britannique, en, aux ouais. Américains, les Américains ils savent pas c'est quoi. Ok, ok. C'est pour ça qu'ils ont créé une émission uh, qui s'appelle The man, Mentalist. Mais du coup vous avez bien dû rigoler quand vous avez vu oui, le truc. Parce euh... qu'il y a un double sens ouais, entre le ça. mec, il est con, il est fou et le vrai truc. Donc pardon, définis. Il n'y bah, a, y a, y a pas de définition, en fait, au mot mentalisme. Et c'est pour ça qu'on se pose toujours la question, tu vois. Parce que c'est un... en fait, une étiquette pratique, parce que tu te dis, OK, je ne sais pas ce qu'il fait, mais je sais ce qu'il fait. Tu vois, c'est vraiment il ça. Il avec la tête ouais. des gens. Et, euh, et en gros, il n'y a pas de formation ou d'école de mentalisme, puisqu'il n'y a pas de définition. Donc, c'est mmh. à dire que tous les mentalistes, c'est des mecs comme moi, qui un jour se sont levés et ont dit, je suis mentaliste, croyez-moi, s'il vous plaît. Et tout le monde nous a dit OK, mais ça marche pour moi sur des reines, sur n'importe qui. On s'est autoproclamé, tu vois. Ouais. On s'est mis la couronne nous-mêmes. Je suis mentaliste. Et en gros, c'est un sac pour tout dans lequel tu vas mettre plein de techniques qui viennent de l'illusionnisme, de la psychologie, de l'influence, de la mémoire, etc. Avec toujours ce truc de je veux bluffer l'autre avec son cerveau. Ou moi, dans mon approche, j'aime bien que les gens se bluffent eux-mêmes d'ailleurs, ouais. tu vois. Mais euh, mais c'est ça. C'est en gros, c'est moi, j'adore comprendre comment fonctionnent les choses, comment fonctionnent les casse-têtes. Et le plus gros casse-tête, c'est le cerveau. Et mmh. c'est pour ça que j'ai été attiré par ça. Quoi, tu vois Donc, en fait, mentaliste, ce n'est pas un métier, du coup, au final, c'est une passion. Tu vois, quand on me dit, euh, mais toi, tes mentaliste, tu pourrais aider la police Certainement pas, je serais l'escroc le plus terrible de la Terre, tu vois. C'est. Euh, non, non, non. Ouais, parce qu'ils ont vu l'émission et ils se disent, ouais, ça. ah, ils peuvent vraiment faire la. Ouais, et puis sur scène, moi, je fais des trucs qui sont hyper bluffants, donc tu te dis, bah, du coup, pourquoi il ne fait pas ça pour les flics bah, Parce que sur scène, c'est mon territoire, c'est mes règles du jeu, tu vois, donc je, je, je tiens ma, ma scène et ma scénographie et mon ouais. texte me permettent de faire des choses waouh, mais. Dans la vraie vie, euh, je me suis déjà fait escroquer 10 balles, quoi. Tu ouais, vois, ouais. pas non plus. Euh, il <laughs> bah, y, y a, Fabien, il euh, euh, y a Cédric qui dit euh, Fabien, il embrouille les Exactement, gens. Exactement, fait. Cédric. C'est, bah, comme dans ma définition, je vous ai embrouillé, c'est pareil. <laughs> uh, Jenny Richards, euh, qui est une régulière, elle dit It sounds a lot like neurolinguistic programming. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On sert aussi de, de la programmation dans. C'est C'est un outil que voilà, tu utilises. C'est un outil parmi tant d'autres. En plus, c'est un outil dans lequel il faut vraiment faire du tri parce que il y a une grande partie de la PNL qui a été débunkée en fait. Et euh, même les créateurs de la PNL ont fait, oui, alors c'est vrai que ça, on avait mis ça un peu au hasard, euh, à tel endroit. À PNL, pardon, je c'est... Ouais. Su... NLP, ouais, euh, ouais. ouais. C'est parce que... Le Moi, je l'ai dit en français. français mais oui, coup, oui, as raison. Euh... Il engraine les gens, oh, oui, n'exagère pas. <laughs> Il y a Egg de la Route qui dit, c'est un Jedi. These are not the clones you are looking for mais c'est marrant parce que pour le prochain spectacle là je suis sur la fin de mon spectacle actuel il me reste 10 dates hey, d'ailleurs tu joues au Zénith euh, ouais, bientôt ouais, dans un mois 11 décembre ouais, on fait la dernière au Zénith de Paris euh, euh, si vous habitez à Paris fucking go see Fabien Olicard au Zénith c'est combien de places euh, c'est 5000 et là il reste que des places à 25 euros c'est abordable pour les. d'accord ouais, donc ouais, t'es ouais. quasiment complet ouais ouais il doit rester 800 places sur les 5000 fuck 000. ouais ouais c'est trop bien c'est ouf que, ce qui est marrant tu sais quoi, je fais une digression, mais ce qui est marrant, c'est d'avoir amené le mentalisme là-dedans. En gros, quand j'ai commencé le, à amener le mentalisme au théâtre, je voulais que ce soit drôle, moi. J'avais ouais. compris, mon clown, c'est de faire rire, tu vois. Et du coup, je vais aux trois bornes, et aux trois bornes, ils font là, un petit théâtre à Paris de 40 places. Ils ne veulent pas de, autre chose que de l'humour pur. Oui, Donc, okay. ils disent non mille fois, et à la fin, ils m'acceptent parce qu'ils en ont marre que je vienne, tu vois. Donc, euh, je ferai quand même deux ans chez eux, et je suis là, ouais, j'ai amené le mentalisme marrant dans un spectacle, dans un théâtre. Et, euh, et du coup, je me dis « Ok, je vais aller au Point Virgule. » Et Antoinette Colin du Point Virgule dit « Alors non, nous, le soir, on n'a jamais pris de magicien ou de mentaliste. Donc désolé, ce ne sera pas possible. » Je l'invite au showcase et je la choque pour le coup. Et du coup, elle fait « Ok, on va reparler. J'ai fait deux ans au Point Virgule. <laughs> » Et après, bah pareil, j'ai voulu faire l'Olympia. Ils m'ont dit Ah, on n'a jamais fait de mentalisme. Moi, bon, j'ai fait l'Olympia. Et là, j'ai eu On n'a jamais fait de truc comme ça au Zénith. Je pense que ça marchera pas. Ouais. Et du coup, on y est, tu vois. Est et et j'adore parce qu'au-delà de mon propre plaisir, je me dis Mon, mon, mon art, tu vois, l'école du mentalisme, entre guillemets. Je suis content de l'emmener dans ces lieux-là ouais. et de montrer. Bah ça donne une exposition bah ouais. euh, encore plus. Et... Tu vois, je, je sais qu'il y a des mentalistes qui m'adorent, il y en a d'autres qui me détestent, mais quoi qu'il en soit, ça m'a permis de populariser ce qu'on faisait. Quoi, tu ouais. vois bah moi, c'était la réaction que tu as eue. C'était pareil quand j'ai commencé un spectacle bilingue ouais. où il y avait 50 anglais, 50 français. Ça. Et du coup, euh, dans les petites salles, ouais, mais il euh, n'y a pas assez de public, euh, on ne parle pas anglais en France, tu sais, machin. Et puis, au et j'ai fait le Grand Rex euh, deux fois la semaine dernière. C'est trop bien. Euh, c'est c'était un peu un, un fuck you euh, ouais. à tous les gens qui se doutaient eux-mêmes de leur niveau d'anglais en ouais, France et ça. aussi des gens qui disaient Ouais, t'auras pas de public, c'est trop compliqué, etc. Bah, tu vois, moi entendu ces phrases pour Ouais, mais alors attends, mélanger de la science et des trucs comme ça sur le cerveau avec de l'humour. Tu sais, les gens ils viennent pour se détendre. Ouais. En gros, <laughs> les gens sont des gros blaireaux qui ne réfléchissent pas. <laughs> tu vois, bah, moi c'est à l'Olympia que ça m'a fait ça le, le vrai fuck you de. Mais regardez, les gens, peu importe d'où ils viennent et l'âge qu'ils ont, en fait, ils s'intéressent à tout si tu les prends pas de haut, en fait. Ouais. C'était vraiment ça. Et pareil pour les langues, du coup. Uh, Tyrlène sur Twitch, hello Twitch, uh, hello tirelaine. Fabien Licard, elle uh, ou il est thème. Je vais me coller un peu, je vois les Un uh, 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 Technique de com retournement de cerveau, dit Olivier uh, sur Facebook. <rire> <rire> on veut revoir le divan. Il, il est pas loin, il est là le divan. Ah, ils sont en train de parler. Euh... Ouais, c'est juste... On... Les gars, on s'en fout. C'est juste, on a, on a, ils ont dû changer... Euh... En haut, ici, parce que du coup, euh, euh, ma productrice, elle a embauché deux personnes de plus. Euh, et donc, du coup, maintenant, c'est la salle de, de pause, de déjeuner pour l'équipe. Et donc, euh, moi, je m'incruste tous les lundis pour faire ça. Donc, en fait, euh, le sofa, il est, euh, il est un, un divan. C'est est comme ça qu'on dit un divan C'est comme ça que lui est dit. Hein. Ok, ouais. Bah, le le sofa, la il est toujours là. Il est toujours là. Calm down. Um, Tiens, franchise, je peux lui répondre à franchise. Ouais, regarde, euh, Maxime Boutet, mon sous-titreur, dit Personne n'écoute, on bouge tous sur l'absence du sofa. Putain, mais en fait, euh, <laughs> les gens, les gens ils, ils regardent même pas le live. Ils, ils, ils C'est le live la du déco. sofa. Mais tu, tu veux pas faire un compte <laughs> Insta pour ton sofa Je suis sûr qu'il cartonne. Uh, the Happy Hour rien. Sofa. Um, et hey, on a quoi Vous avez quoi comme question pour euh, M. Fabien euh... Tiens, re Remonte un peu, il y avait ouais. Franchise qui avait... Euh, Franchise, qu disait... question bête euh, Mais peut-être que c'est pareil que Mesmer. Alors oui, ça s'écrit comme ça, Mesmer. Euh, parce que ça vient d'un ancien hypnotiseur qui s'appelait Mesmer. Et ça, c'est une excellente question. En gros, Mesmer, il fait de l'hypnose. L'hypnose, potentiellement, ça peut être l'un des outils du mentaliste ou pas. Donc un hypnotiseur n'est pas nécessairement mentaliste, mais un mentaliste peut se servir de l'hypnose. Et pour répondre à ta question, moi je ne fais pas d'hypnose sur scène, j'en ai jamais fait. J'ai une formation d'hypnothérapeute. C'est vrai Oui, tu dors, non, je rigole. Euh, <laughs> mais c'est vrai que j'ai une formation, mais du coup, comme c'était comme une formation en hypnothérapie, j'ai abordé ça comme un médicament et je me suis dit, je ne veux pas jouer oui. avec les médicaments. Tu vois, ça ouais. c'est pour le truc, le, le, le seul truc où je me pose des questions sur le, comment ça fonctionne, c'est ce truc-là, quand je vois Darren Brown, je, vais, je crois que je vais revenir beaucoup sur lui, parce que c'est un de mes idoles, parce que comme tu dis... Euh, il a rendu ça abordable et drôle, surtout dans la série télé qu'il a fait à Londres, euh, le problème, euh, les, 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 les plusieurs saisons de ça. Mais lui il fait et dans les derniers, c'est pour ça que j'ai peut-être moins accroché avec les derniers spectacles mmh. parce qu'il y a pas mal de moments d'hypnose ouais, ouais. Et moi, c'est le truc pour moi qui que je comprends pas en fait. Et je ne comprends pas quand, comment ça fonctionne évidemment et je comprends pas que ça fonctionne pour de vrai, tu vois. Ben, mais tout le reste là, euh... par exemple, tu dors sur le sofa depuis tout à l'heure. as, as <laughs> l'impression de vivre ce moment, mais il n'existe pas. Je vais me réveiller dans, dans une heure et demie en mode. Il euh, y a eu un live ce soir <laughs> bah, tu vois par exemple déjà l'hypnose, c'est très réducteur de dire que, de, de croire que c'est quelqu'un qui s'endort. Tu vois sur scène oui. et qui tombe. En fait ça c'est ce qui a amené l'hypnose de spectacle, le grandiose, le spectaculaire. Tu vois, mais euh, mais l'hypnose c'est beaucoup plus léger que ça. Bon on va, on va pas faire une émission sur l'hypnose mais. Est-ce qu'il y aura un Cérébrum 2 La réponse est non, Tom Garnier. C'est où aussi aussi il, il est où Je le mets à l'écran. Tom Garnier, je ne le vois pas. Ah oui, question pour Fabien, il y aurait un cérébrom 1, c'était quoi C'était le livre sans énigmes. J'ai fait un bouquin de sans énigmes, mais en mode e-book, tu sais, que j'avais mis sur ma boutique en ligne. Okay. Et, euh, et il y en aura peut-être un deux, un jour, mais en gros, là, pour le coup, c'était une période de confinement où je me suis dit, ah, j'ai envie de créer ça, parce que je, je grattais plein d'énigmes partout, que je mettais un peu sur Facebook et tout, je les compilais. Et il y en a plein qui le voulaient, etc. Donc euh, on a fait bosser un graphiste, on l'a mis à 4 euros pour que le graphiste soit payé. Et, puis, euh, et, et ça a bien marché, parce que je crois que vous avez été 17 000 à le prendre. Donc il a été bien payé, le graphiste. <laughs> très, oui. très bien payé. À un moment donné, l'année dernière, euh, euh, à cette époque-là, on s'échangeait beaucoup. Euh, euh, la première place sur Audible ouais. euh, Entre toi et oui, entre, euh, Les cours d'anglais euh, avec ma pote Sarah ah, il a cartonné. Et, euh, et en vrai un, Toi aussi c'était un Audible Original Enfin un Audible Original Ou non parce que t'avais le, le, la version papier aussi Oui moi c'était une version papier mais la version audio C'était un Audible Original Ah ok donc il, ouais. même s'il y avait la version papier ouais. Il pouvait faire euh, ouais. ouais parce que ouais. c'est ta voix plutôt ouais, exactement euh. ouais. Et, voilà. euh, et j'en ai journées qui écoutent que mes livres en audio oui, tu vois, qu'ils le lisent jamais version papier. Mais maintenant, j'ai des, des exclusivités avec Audible qui fait que ça, ça passe en priorité par eux. Avant, je faisais des supports physiques en plus qu'on mettait à la Fnac, Culture, okay. CD, euh, clé USB et tout. Okay. Et, euh, et le marché est trop petit en fait. Ça, ouais, je comprends. C est, c est... Donc les, les, les quelques uns qui nous ont demandé en mode ah il n'y a pas de support physique et tout, euh, euh, on leur a envoyé. <laughs> en vrai, si <laughs> mon éditeur m'écoute, j'ai moi-même mis sur une clé USB que j'ai envoyé gratuitement à ces personnes. Euh, JL qui dit quelles sont les différences entre mentaliser quelqu'un en, en. Alors ça se dit de mentaliser quelqu'un, c'est ça le. Alors moi c'est un néologisme que j'ai amené en 2011, ça se dit pas. Okay. Et euh, en 2011, non en 2013, c'était mon deuxième spectacle. Euh, je suis avec Jeff Panacloc et on réfléchit à mon nouveau spectacle, la nouvelle affiche. Et je sais pas si c'est lui ou moi, mais on se sort un Fabien Olicard vous mentalise comme mmh. titre. Parce qu'en gros, ma première affiche, elle marquait Fabien Lica, Et il y avait, qu'est-ce que c'est beau, quand on se le dit. Il y avait des étiquettes, tu sais, de euh, magicien, mentaliste, humour, tu vois, pour bien dire, regarde, il fait tout ça en même temps. Et c'était très <laughs> compliqué de dire aux gens, c'est quoi du mentalisme, tu vois, et c'est quoi que je fais sur scène, sans faire euh, trop, trop beauf, trop naze et tout. Euh, c'était pour le spectacle mot de tête, je sais pas si tu re. Mais mot de tête, M-O-T-S, ouais. comme un mot que tu prononces. M-O-T-S. Ah ouais. oui, un autre jeu de mots, ouais. mot 2. De... Mot de tête. Bah, tu sais, tête. 2011, c'est la période des jeux de mots dans les de ce <laughs> Ouais. Et on dirait que le, <laughs> pour certaines personnes, euh, ce n'est pas encore fini. Hein. Euh, alors... Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est la première. C'est là Oui, ouais, la comédie des trois c'est ça. Euh... Okay. Pardon, pardon, j'ai lancé un jingle trop tôt. Deux fois, et Sorry. je me barre. Hein. <rire> voilà, <rire> ça, c'est vois, vois, Mentaliste, humoriste, magicien, pff, ça n'avait pas très, tellement de sens et tout. Et donc, pour le deuxième spectacle, on s'est dit, on va faire un truc tout bête, on fait Fabien Olicard, vous mentalise. Okay. Et donc, le verbe mentaliser n'existe pas, tu vois. Et en même temps, tout le monde savait que, que ça n'existait pas. Et en même temps, tout le monde comprenait tout de suite ouais. ce que c'était. C'est ça, en fait. Donc, en fait, j'ai commencé à utiliser ce mot comme un verbe. D'accord, donc c'est toi qui as créé le mot. Euh... En tout cas, on l'a popularisé, on ne doit pas être les seuls à y avoir pensé, hein. on ne va pas avoir cette prétention-là, mais euh, tiens, c'est euh, la bleue. Voilà, c'est ouais. la bleue. Je ne sais pas pourquoi l'Internet sur mon téléphone, il est lent euh, en tabarnak. Allez, go Oui, c'est exactement yes, ça. Yes, Fabien Olicard vous mentalise. Et c'est Jeff qui m'avait aidé au début à le mettre un peu en scène et tout. Trop bien. Euh, donc, ouais, pour répondre à la question de JL euh, sur euh, YouTube, c'est quoi la différence entre mentaliser quelqu'un en français ou en anglais L'accent. <laughs> Question suivante. Il n'y a, a pas de différence, hein, je, vraiment, je ne pense pas. Hein, mais, euh, mais par contre, il y a des subtilités de langage, en fait, quand, mmh. quand tu fais du mentalisme à quelqu'un. Les beaucoup vas, de subtilité. Tu, ouais. Tu, ouais, tu vas induire des choses, tu vas un peu le forcer psychologiquement parfois à faire tel choix plutôt qu'un autre. Et, et là, par contre, je ne suis pas sûr d'être assez fluent pour, pour, pour pouvoir bien rebondir comme ça. Et, et, et surtout, il faut s'exprimer vraiment correctement. Et le poids des mots compte énormément, ouais. quoi, tu vois. Donc euh, moi, moi, si je faisais un spectacle de mentalisme en anglais, j'aurais vraiment besoin de quelqu'un qui parle très bien anglais et qui connaît le mentalisme pour pouvoir m'accompagner dans la ça, création. Ouais. Tu vois. Bah, le, je, le, tout ça, ça me fait penser euh, à un à un truc qui est resté dans ma tête de un épisode de Darren Brown à la télé. <laughs> euh, le sous Darren <laughs> Brown, Brown français, Franken Mirror. Fabien Licard. <laughs> euh, C'est euh, quand il, il, il rentre dans le métro. Et euh, mmh. il dit aux gens: il, 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 En fait, les gens ils il s'assoient dans le métro à Londres, le London Underground, et en fait, ils les, il les font oublier. La station ouais. euh, 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 sur laquelle ils vont s'arrêter. Vont... Mon français, il est parti en coup, il euh, Ouais, ils doivent s'arrêter à une station et ils oublient. Et du coup, il explique comment il le fait. Il, il commence le, 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 la partie de l'émission en disant euh, Si tu dis à quelqu'un de ne pas penser à un éléphant rose. Il pense à un éléphant à un rose parce, parce qu'on ne sait pas ne pas penser. Ouais, et du coup, il, il utilise ça. Et la phrase en anglais qui, qui dit aux gens dans le métro. Euh, il, il, il fait beaucoup de mouvements ouais, où il tape sur la tête sûr. et je crois que c'est de la distraction plus oui, que autre chose ça, ça s'appelle de la euh, continue de parler le mot va me revenir confusion c'est de la, la confusion mentale ouais. Ouais, et du coup il dit aux gens Ça, euh, 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 il s'assoit à côté et tout se passe très vite il y a les caméras et il dit aux gens euh, et, et, now, uh, stop thinking about it no, no, what, what did he say If, uh, what stop thinking about it are you getting off at what stop thinking about it are you getting off at et là il y a un jeu de mots entre stop Arrête mmh. de penser, stop thinking about it, parce qu'il y a le mot, il y a la phrase stop thinking about it dans sa phrase, les gens ils vont arrêter, mais stop en anglais ça veut dire arrêt. Donc c'est comme, et ça c'est, je sais ah. pas si on pourrait traduire exactement ce truc là, non. genre, quel, arrête d'y penser, tu vas descendre. Ça n... Moi j'ai des trucs dans mes livres qui sont intraduisibles, parce que j'ai les livres, ils sont traduits dans 16 pays, tu vois, et dans, euh, dans 16 pays, dans beaucoup de. Ah pays. 16 pays, j'ai voilà. cru que c'était un acronyme. Et, euh, et, et du coup. Il y a des parties qu'on n'a pas pu traduire. Mmh. J'ai un forçage psychologique où tu mets trois pièces de monnaie, une pièce de 2 euros, d'un euro et, et d'un centime. Et bref, tu as tout un blabla à faire. Et à un moment donné, pour ancrer ce, euh, ce forçage-là, tu dois dire, euh, donc réfléchis à ce que tu vas faire. Et tu auras le sentiment maintenant que ça va bien se passer. Mmh. Tu auras le sentiment maintenant que ça va bien se passer. Mais à l'intérieur, tu entends, tu as le sentiment en main. Tu as le centime en main. Ouais. Et donc, les, les personnes choisissent le, choisissent le centime aussi par rapport à ça. Mais tu vois, ça, c'est intraduisible. On ne peut pas trouver d'équivalent. Ouais, même en anglais. Euh, après, il y a peut-être des tournures de phrases. Quand tu parles très bien la langue anglaise, de dire ouais. « a penny ». There's a penny », parce que déjà ouais. on n'a pas de sentiment. Ouais, 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 ouais. Ça doit être assez et compliqué. Tu vois, ça, ça, ça doit être transposable, mais pas traduisible. Tu vois. Écoute, du coup, ça veut dire que c'est beaucoup moins compliqué de voler des vannes et voler des, de, des tours de <laughs> mentalisme à, des, <laughs> à, des, ah, à, des, à ah, des mentalistes anglophones. Ça, ça, ça se vole. Euh, <laughs> en fait, c'est les mises en scène qui se volent, tu vois. Mm. Tu vois ce que fait Derren, euh, le, le faire aussi joliment, ça appartient à Derren. Par contre énormément de personnes savent refaire ce qu'il fait, oui. tu vois, sur sur le plus basique. Je parle de ce qu'il fait dans ses spectacles, par exemple. Euh, mais euh, c'est l'enrobage en fait qui compte. Nous, mmh. les mentalistes, on fait toujours la même chose. On trouve un mot, on force un choix, on mémorise quelque chose. En fait, en fait, c'est assez basique, tu vois. Donc, c'est que la mise en scène qui compte. Ouais. Et les mises en scène, elles se chapardent, mon pote. Elles se volent à droite à gauche. Ça, c'est un ça, c'est un délire, quoi, tu vois. Ah ouais. C'est moi, j'ai vu du DRN. J'ai vu de la copie de Deren, j'ai vu de la copie de la copie de Deren et de la copie de la copie de la copie de Deren. <laughs> C'est-à-dire qu'à la fin, les mecs ne savent même plus qu'ils sont en train de copier Deren Brown. Tellement oui, ils ont vu d'autres mecs le faire. Ouais. Quoi, tu vois, c'est. Euh... Ouais, ça doit être, euh, ça doit être un peu, euh, un peu. Ça, ça se protège ça, ces trucs-là, si tu les déposes oui, à le la SACD, c'est le texte, est un texte. Un texte et la mise en scène se protège par, par sa création même en okay. fait. Quoi, Donc tu vois. la mise en scène aussi, elle est protégée. Est ça. Okay. Mais le, le, le fait que ce soit protégé de fait. Ça ne veut pas dire que quelqu'un va faire une action. C'est à toi de faire une, une action en justice. Et vraiment. Oui, bah, euh, Personne ne en l'a Ta flemme. Non, Darren Brown, il attaque pas mal. C'est vrai Ouais, mais bon, il a, il a une armée ouais, d'avocats. Ouais. Euh, Kylian Guégan, Gué Jean, Guégan, Gé Jean. Guégan, Guégan. Guégan. Euh, on vous voit quand en province, les gars Tout le temps. Mais vraiment. Moi, je passe ma vie en province en tournée. C'est-à-dire que là. Quand on me dit cette phrase, alors que je viens de me taper une tournée de 160 villes... C'est que c'est enrageant. Là, je poste des trucs à chaque nouvelle ville. Je dis, là, je pars à Auray en Ouais, mais Marseille, quand est-ce que tu viens à Bordeaux Quand est-ce que tu viens Non, mais c'est même pas ça. Donc, s'il y a des gens de Auray en Bretagne, ou pas loin, j'y suis mercredi et jeudi. On galère à vendre 200 places. Donc, fucking boys and tickets. Mais sous ce truc-là, il y a des gens qui me disent, ouais, mais quand est-ce que tu passes à Lyon Connard, j'étais là il y a deux ouais, semaines. Bah, euh, ça, ouais. oh, en plus, à la bourse du travail, c'est pas une petite salle ça. ça. Ouais, bah, J'y suis <laughs> bientôt, coup... moi. Je suis à la du bourse coup... du travail si vous avez yes. raté <laughs> Paul Taylor. Allez oui. voir. Euh, euh, donc ouais, moi, moi en est... il me reste plus beaucoup de dates euh, avant janvier. Mon spectacle s'arrête en fin janvier, donc il me reste peut-être 10 villes à faire bah, avant vois, à la fin. Il me reste autant ouais, de représentations. Donc, euh, toi, tu, tu captes quelque part, tu vas le capter, bah, au on Zénith. C'est wow, ouais. ouais. la classe. Ouais, tant qu'à faire. Donc là, je suis en train de modifier un peu le spectacle pour que ce soit un gros. Brou, brou, brou. Pour qu'il y ait des feux d'artifice derrière. Ben, brou, brou. Tu, tu sais que c'est assez vrai. En gros, le Zénith, pour vous dire, les grandes salles, on peut louer. Donc moi, je suis en autoproduction. Donc on loue des jauges. En fait, c'est la, la taille de la salle. Et, euh, et la plus petite configuration au Zénith, c'est 2700 places. Tu vois. Okay. Donc, moi, au début, je loue pour 2700 places, tu mmh. vois, pour ne pas prendre trop de risques. Ça, ils mettent des rideaux pour fermer. Ouais, euh, exactement, pour que face tu t'en rends vide. pas compte, quoi, ouais. tu vois. Et, euh, et puis, bah, comme ça vendait bien, etc., bah, on a ouvert, ouvert et ouvert. Donc, à chaque fois qu'on ouvre, ça nous coûte plus cher, mais on a un petit peu plus de bénéfices. Ouais. Et du coup, à chaque fois, je disais euh, à, à mes régisseurs je dis, Ah, j'ai une idée, on pourrait les. Idée basique. Ah, oh, j'ai une idée, on pourrait mettre du CO2 un peu partout et quand je fais tel passage du spectacle, vous balancez du CO2. Faut, ouais, bon, on peut en... Donc, c'était tu sais, la fusion. Du CO2, c'est quoi ce... Ah, oui, ok, d'accord. Et puis, ils me font, ouais, on va en mettre devant sur la scène et tout. Et je dis, ouais, non, il faut qu'il y en ait plein en salle, que les gens ils soient surpris, tu vois, et tout, machin. Et il faut, ok, donc ils font les devis pour que ça. Ils m'amènent la facture, je vais vous le dire, du CO2 pour le spectacle, c'est 32 000 euros avec la sécurité, le montage, le démontage. Donc j'ai dit "Ouais, ben bah, on le fait parce que c'est la dernière, c'est capté, c'est la grande fête et tout." Donc il <laughs> vient de me dire "Bon bah, en fait là maintenant, il faut qu'on revende d'autres places parce que tu es déjà hors budget parce que dès que du coup j'ai des moyens, je les réinvestis. Ouais, ouais. Euh, cette date, je veux juste pas perdre d'argent si c'est possible." Ouais. Tout ce que j'aurai, je le mets dans. Le bah avec j'imagine le, le prix de la captation, enfin l'achat de la captation euh, au final ça ira. Alors en fait la captation c'est euh, on, on vous fait rentrer dans les détails du, du secret du système en gros je leur vends le produit fini et je leur vends qu'une diffusion. C'est-à-dire que c'est c'est oui, ce pas, ça va pas être un Netflix original ou un Amazon original exactement. qui appartient à eux. C'est pas vie. eux qui viennent avec les caméras, c'est mes caméras, c'est mon réalisateur, c'est mon montage. Ouais. Et après, je leur donne ça en leur vendant le droit de le diffuser ouais. un, un temps limité parce que en vrai, je le mettrai probablement un jour gratuit quelque part. Oui, quoi, tu ouais. vois. Et, euh, et je crois qu'on est tous comme ça maintenant à vouloir ouais. essayer de garder un peu nos, nos choses à nous bah, tu vois. Et, et aussi le fait si on a un pouvoir sur les réseaux sociaux comme toi tu as euh, des millions de, 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 de gens qui te suivent bah ça, a, leur plus... ça, ouais, ça vois, a plus de sens ça. de mettre ça ouais. mais euh, moi j'en parle tout le temps avec euh, mon public de, euh, ils me disent bah, tu, ta captation elle va être où, est-ce qu'elle va être ouais. sur Youtube ils disent je sais pas, on est en train de voir parce qu'il euh, bah, y a Amazon, il y a ouais. Netflix, il y a Canal+, mais YouTube d'office, je vais perdre tout ouais, parce que, à sûr, part euh, The ad revenue, ouais. que j'en aurais pas beaucoup parce que non, non. Je, je, je jure beaucoup euh, dans le spectacle, ouais, ouais. Bah, du coup ça te coupe euh, et donc du coup c'est le truc, c'est cool de pouvoir récupérer un peu d'argent à l'achat de la diffusion, ouais. plus euh, plus tard, un an ou deux ouais, ans plus ça, tard euh, ça. pour mettre, pouvoir euh, le mettre après. Donc c'est pour ça que c'est pas un gros budget qui me file pour répondre à ta question, oui. tu vois, pour la captation, parce que c'est juste un droit de diff que j'ai ouais, vendu, donc il, a, il est vite parti. Euh, Fabien, as-tu déjà euh, fait du mentalisme à des inconnus dans la rue oui, j'en ai fait des vidéos qui s'appellent Mentalisme dans la rue. <laughs> question suivante. Yes, j'aime bien. Euh, euh, Penses-tu que ton spectacle euh, interactif va fonctionner Comment t'es venue l'idée Alors l'idée m'est venue au tout début de ce live. Euh, si tu veux écouter la réponse, c'était par rapport au, au, au confinement. Euh, Est-ce que ça va fonctionner Alors tiens, ça c'est une bonne question, Mélissa. C'est quoi la réussite de quelque chose Pour moi, la réussite de ce projet, c'est qu'elle soit sortie. C'est qu'on soit allé au bout de la création, qu'on ait réussi à le sortir. Donc, pour moi, le projet, il a fonctionné en fait. Après, mmh. si tu entends par là, est-ce que tu crois que ça a marché commercialement parlant J'ai aucune idée de combien il faudrait que j'en vende pour que ça marche un peu, mais pour te dire un secret, dès que tu fais un truc avec du matériel quali, tu vois, c'est une boîte épaisse qui ferme avec des aimants, il y a plein de matériel dedans, il y a un DVD, il y a un site dédié qu'on a fait programme exprès et tout. En gros, euh, si je veux être riche, c'est pas ça qu'il faut que je sorte. Clairement pas. <laughs> tu vois. Je, je pense que la boîte, elle doit être à 30 euros et que je vais gagner. Euh, peut-être 60 centimes d'euros en tant qu'auteur sur chaque boîte, tu ouais. vois, si on se met dans la réalité des trucs. Donc, pour moi, voilà, il, il, il a fonctionné parce qu'il l'a créé, et, euh, et à chaque fois que j'aurai quelqu'un qui l'aura regardé et qui, a, et qui me dira j'ai kiffé, c'est qu'il fonctionne. Après qu'il qu y en ait 10 000, 20 000, 30 000 qui partent, il y aura, ce ne sera pas une nuance. S'il y en a un million qui part dans le monde entier, et que le concept est racheté, je te, te, te dirai autre chose. Oui, tu vois, mais mais ce n'est pas le but d'un tel projet, c'est que tu as une idée et tu as pu la, la créer, c'est ça qui coule. Cool, je viens de penser à un truc que t'avais pas dit tout à l'heure C'est que la caméra elle, elle est juste là Ah oui putain Toi, je regarde toujours là-bas T'es ouais, en train de regarder euh, là où y a, la il y a, euh, du truc On se voit dans les yeux pour la première fois Vous <laughs> n'entendez que le son de ma voix Vous <laughs> vous abonnez à cette plateforme tout de suite <laughs> je me disais, il fait Vous un faites truc, un don euh... à Paul Taylor tout de suite <laughs> Sur son euh, Paypal Il y a Pilou qui dit mais évidemment que Paul est hypnotisé mmh. C'est pour ça que Fabien lui fait boire du, 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 du <laughs> sans alcool <laughs> Bien sûr sinon il sortirait de cet état Pour se mettre dans un autre état modifié de conscience Exact En parlant de ça t'as fini t'en veux une autre ah oui, je veux bien, oui. Super. Tu, tu penses que les gens, ils nous croient quand on dit qu'on est en live Parce qu'on n'est pas vraiment en live. Là, nous, on est dimanche. Et toi, tu rediffuses ce live-là le lundi à 18h. Ouais, c'est drôle. Hein. Mais, ah, ça, tiens, bah, Corba il nous dit c'est pas du live, si. Et ils nous ont grillé. Putain. Mais du coup, comment j'ai pu lire son commentaire en live Mais Ça fait deux ans que je fais ce truc-là. Euh, et maintenant, tu viens de spoiler mon truc, en fait. <laughs> que je ne fais pas ça en live. Écoute, c'est moi qui ai qui a révélé que Verino avait un fond vert et qu'il n'y avait pas de spectateurs, déjà, ok <laughs> Je vais cramer toutes vos petites <laughs> astuces, les gars. Um, um, uh, uh, tu vois, bah, uh, Charlotte qui dit Oh, pour une fois, je peux regarder le live en live. Mais Charlotte, wow. c'est ta sœur, arrête tes conneries un peu. <laughs> si j'avais une soeur qui s'appelait Charlotte. Ch oh, ouais, ça aurait pu faire uh, Charlotte. Um, right. Euh, Micha qui dit euh, l'hypnose c'est réel et du coup ça me met même mal à l'aise quand j'en vois dans les spectacles j'ai peur que les gens soient mal déshypnotisés à la fin j'ai du mal à lire mais et, euh, ouais. pas lu. Je, je cherche la bière répond oh, oh. en <laughs> oui euh, en gros, Micha, euh, bon, moi je fais pas d'hypnose encore une fois sur scène, mais oui, l'hypnothérapie, elle est réelle, l'hypnose est réelle dans le sens où quand tu as de l'hypnosédation, on appelle ça, c'est-à-dire des chirurgiens qui sont assistés par des hypnothérapeutes, euh, pour, euh, euh, au lieu d'utiliser des produits chimiques, endormir par l'hypnose, on se doute bien que c'est réel à ce moment-là. Euh, dans les spectacles, tu as peur que les gens soient mal déshypnotisés, je comprends, c'est un truc de malaise que j'ai pu avoir, alors à terme, tu peux pas rester bloqué dans l'hypnose, en gros. L'état d'éveil, tu as le sommeil, l'hypnose est là. Donc, à un moment donné, où tu vas te réveiller, où tu vas t'endormir, mais tu ne vas pas rester bloqué en hypnose. Mais des fois, sur des spectacles d'hypnose que j'ai vus, je trouve qu'on, sous prétexte du rythme du spectacle, on fait vite redescendre la personne qui n'est pas encore bien de retour. Quoi. On ne l'enveloppe pas assez d'affection et de tendresse. Ce sera le mot du jour. Euh, très bonne réponse, parce que moi aussi, je me pose la question en mode euh, est juste, quand on n'est pas dans le milieu, uh, cheers, by the way. Bah, euh, on ne sait pas que on ne peut pas rester ouais. bloqué dedans après tu as des fois, tu as des grands hypnotiseurs et, et je pense d'ailleurs que ce, ça doit être le cas de Mesmer, qu'ont qui des personnes en salle qui sont un peu ces stagiaires des hypnotiseurs ou des hypnothérapeutes qui apprennent d'autres choses à son contact qui traînent aussi un peu dans la salle pour finaliser les réveils des ah. personnes qui descendent sur scène. Je ne sais pas si c'est le cas pour Mesmer, mais je pense que oui. Mais je sais qu'il y a des grands hypnos qui font ça. Ouais. Mais du coup, quand tu dis finaliser le, le, le réveil, moi, j'ai en tête les trucs où euh, en ils fait, font le truc sur scène. Et la il, personne est un est... peu désorientée parfois okay. au réveil. Tu vois, elle ne sait plus trop bien où aller. Dis-toi que tu as vécu un état modifié de conscience. Tu te souviens de tout hein, en réalité. Et euh, Mais juste, c'était quand même un... Un univers un peu avec plein de coton, tu vois, de un peu ou, tu vois, smooth. Ouais. Et là, d'un coup, tu reprends conscience de la lumière, de la grande musique, de tous les gens sur scène. Il y a le rythme, ça y va, ça rigole de tous les côtés. Tu n'es pas, pas forcément OK pour revivre ça euh, au niveau de tes cinq sens, quoi, ouais, tu okay. vois. Donc, c'est plus des personnes qui vont aller les voir pour leur dire ça va, vous allez bien, vous les sortir un peu, on boit un petit coup d'eau, vous rentrez okay. en salle, tu vois. Ok, intéressant. Euh, Jean-Christophe. Et donc, Fabien, un best-of des moments les plus gênants sur scène ça c'est une bonne question Jean-Christophe il bah, y, y en aura déjà sûrement en vidéo parce que je filme tous mes spectacles avec des caméras de merde mais je filme tous mes spectacles parce que je me mets en scène donc euh, ouais. je, je le fais en permanence euh, des fois je mets des petites vidéos hein, comme ça sur Youtube ou sur Insta des petits bouts marrants mais euh, ouais il ouais, y, y en aura en plus j'ai une nouvelle monteuse qui s'appelle Pauline qui commence à taffer là-dessus parce que moi je m'en sortais plus et j'en pouvais plus de revoir mon spectacle mille fois euh, mais genre là j'étais à Bruxelles à Bruxelles c'était incroyable c'était incroyable il m'est tout arrivé le spectacle, toi et moi, on sait qu'on se dit ouais, on a tout vécu, mais à chaque fois il y a un truc que tu n'as pas vécu, tu vois. Moi j'ai un mec au premier rang sur scène, il se lève, je me dis tu vas où frérot Il fait ah je cherche une bière. T'étais à la Madeleine Non j'étais au Cirque ah, Royal. Okay. Et euh, Parce qu'ils ont des ils ont des bars dans les ben salles oui. dans d'autres pays. Et donc il, il y va et puis euh, il se fait refouler. il se il fait ah mais putain pas de bière en plus je voulais te en offrir une. Et je fais, ben non, frérot, moi je veux pas te ressembler, donc tout va bien, tu vois. Reste comme tu es, je reste comme je suis. Et il fait, ah ouais. Et là, il tombe sur son truc et il dort 30 minutes devant moi, au premier oh. rang, dépouillé. Et ce même jour, dans la foulée, je reprends le show et il y a un gars qui fait Ouais, mais moi j'ai une question. Et je fais Alors, oui, moi j'ai un métier, j'étais en train de parler, parce que vraiment c'est un table, c'est un spectacle, il se passe des choses, quoi, tu vois. Euh, du coup, plus tard, peut-être à la fin du spectacle, il fait Non, 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 hé eh oh Hé eh, C'est pas dur, Olivier, comme question. Je fais Bah, tu vois, comme moi je m'appelle Fabien, on va commencer par m'appeler par mon bon prénom. « Tu as acheté une place pour venir, il me sent !» C'était le spectacle où le respect n'était pas rentré en même temps que les spectateurs. Il était resté à la porte en retard, tu vois. Il n'y avait pas de respect ce genre là disponible. C'était incroyable. Et du coup, quand le mec s'est réveillé, il y a un truc qui s'est passé ou Ah, le mec, oui, il s'est réveillé à la fin. Mais après, je ne lui reparlais plus parce que j'avais vraiment peur qu'il prenne le pas. Tu il parlait très fort, il était vraiment alcoolisé. Et toi-même, tu sais comment le pouvoir sur scène, on peut le donner un peu. Mais faut faire gaffe à qui tu le donnes parce que... En fait, on dirait pas. Nous, on fait beaucoup d'impro on parle avec le public et tout, mais ça reste du show quand on a un texte, une mise en scène, un rythme. Et il faut pas que ça parte en couille trop non plus. Quoi, ouais. tu vois. Donc, ça t'a arrangé les miticides endormis. Ouais, en vrai, ouais. <laughs> C'est un bien. How many fingers, <laughs> Jeremy Edwards? Uh, how many fingers am holding up right, right now? C'est trois. <laughs> You'll have to let us know. Ah, ça, ça doit être euh, assez intéressant d'essayer de faire ce que tu fais, mais avec des gens en live euh, comme tu avais fait pendant... Tu pendant, avais dit ça, que tu avais fait ça pendant ouais, le premier concept, ouais, premier ça. truc. Ça, ça s'appelait confinementalisme. J'ai vraiment un problème avec les, les mots. jeux de mots, Il ouais, 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 faut, faut arrêter vraiment. maintenant. <laughs> Et je peux mettre Olicar aussi partout, quoi, tu vois. Euh, par exemple, pour la promo du Zénith, j'avais vraiment loué un bus que j'avais appelé le Olicar. Ah, le holy car. au Et lieu oui. de blabla bla car, ouais. c'est le holy ah car. Ouais. Oh, Je Jesus. pas m'empêcher. <laughs> euh, euh, Nicolas D, Fabien dit « Forcer quelqu'un à faire quelque chose », mais est-ce qu'on peut vraiment forcer quelqu'un à faire quelque chose dont il n'a pas forcément, foncièrement pas envie euh, En vrai, on pourrait parler d'un mec dont on n'a pas parlé ce soir qui s'appelle Darren Brown. <rire> <rire> Et qui a poussé ça à l'extrême, mais euh... ah oui putain c'est vrai dans les derniers, ouais. derniers trucs sur Netflix et mais j'étais pas trop ok avec la trace psychologique que ça a laissé à la personne là en l'occurrence mmh. euh... En gros, si tu parles encore de l'hypnose, et encore une fois, c'est pas mon domaine l'hypnose, mais euh, tu ne pourras pas aller contre les valeurs de quelqu'un, tu ne pourras pas donner un fusil à quelqu'un et l'hypnotiser et lui dire tue l'autre. S'il le tue, c'est que il avait vraiment envie de le tuer, en fait, au fond mais de lui, et et qu'il est vraiment ont, psycho. Il a fait ça, Darren Brown, bah oui, c'est Mais il a fait ça parce que, en gros, la personne de, pour Darren Brown, la personne, déjà, déjà c'est une influence sur plusieurs jours. Oui, et, et plusieurs semaines plusieurs, et je je crois semaines. plusieurs mois, en plus. Ouais, ouais. Et au final, la personne, elle doit, pour... elle doit pousser quelqu'un pour qu'il tombe, quoi, tu vois, pour qu'il meure. Ah oui, tu parles de celui. -là. Ouais. Moi, je parlais d'un où il a vraiment tué Stephen Fry. C'est un, un, un acteur ouais, anglais. Ouais. Ah ben là, c'était sur des mois. Ouais, oui, ouais, c bien sûr, la bien sûr. préparation, c'était ouais. sur des mois. Ouais. Et, euh, et, et en gros, la personne, elle, c'était pas une personne meurtrière pour celui dont je parle. Mm. Mais le fait de tuer c'était ça sauvait en fait des gens de faire ça sans vous spoiler parce que ça vaut le coup de le regarder donc en fait on n'était pas non plus contre ces valeurs mais encore une fois après ils ont fait ah regarde il y avait une caméra là c'était surprise surprise mais en vrai t'as quand même un mec qui va toute sa vie avoir une trace psychologique de au final j'étais capable de tuer quelqu'un là ça c'est chaud ouais c'est vrai que c'est parce que comme tu dis il va se souvenir de ça Tony Tony Aquino est-ce que can Fabien mentalisait Paul not to say hold on, hold on Alors, c'est un peu le truc dans tous les lives. Euh, quand il y a un truc, j'aime pas le silence. Ouais. Je trouve ça gênant dans ce contexte-là. Donc, s'il y a un truc qui se passe et je me oh, je dis hold on, hold on, genre attends, 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 <laughs> attends, 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 attends. attends, attends. Est-ce que ça, c'est un truc que. Euh, euh, bah, c'est un peu l'hypnothérapie, peut-être, ce truc-là. De, de, oui, en un... fait, c'est du déconditionnement. Tu t'es auto-conditionné, oui. euh, tu t'es conditionné à faire ça comme une habitude, une récurrence, etc. Et donc tu, tu, tu le feras toujours si tu n'as pas décidé de l'arrêter et que tu mets pas en place. Euh, tu sais, il faut 66 jours pour prendre une habitude, grosso modo, okay. en moyenne. Hein, c'est les études de 2009, si vous voulez savoir. Et euh, Mais par contre, c'est beaucoup plus lent de se déshabituer complètement mmh. de quelque chose. Ça crée des schémas de neurones qui par... qui t'appartiennent même plus. Moi, j'ai un tic, je fais souvent ça. Okay. Et, et je fais souvent ça vraiment parce que pendant un temps, en fait, j'avais des démangeaisons et tout. Ça ne me démange plus depuis très longtemps. Et pourtant, je vais faire ça régulièrement. C'est comme euh, le tic des lunettes que ouais. moi, quand je pas mes lunettes, euh, je fais ça tout le temps. Ouais. Ah ouais. C'est marrant, un, tu, tu un, le vois un, dans, la, un... dans la rue, il fait ça tout le temps. Paul. <laughs> Mais tu es en train de fumer un, un, un vape. Ouais. Et donc, du coup, pour te se déshabiller. Ça, c'est un chou. Parce que tu parlais de te. De, de... Des... C'était quoi le mot que tu as utilisé Déconditionner. Déconditionner, donc euh, de, les fumeurs, c'est ouais. un, un des plus gros trucs à, à, à essayer de se déconditionner, de, de perdre l'habitude. Ouais, en fait, pour les fumeurs, c'est différent parce que tu as d'un côté la vraie addiction à la nicotine, qui est une drogue très puissante. Donc là, c'est l'addiction dans ton cerveau, quoi, tu vois, c'est le manque physique, en fait, mmh. quand on n'a pas. Et puis après, tu as le côté aussi les mains qui sont occupées, en fait. Ouais tu vois le fait de faire le geste etc moi je n'ai pas décidé d'arrêter hein, de, de, de fumer ou de vapoter je suis passé à ça parce que je fumais énormément de paquets par jour je me suis rendu compte qu'avec ça c'était beaucoup moins tu vois et que c'est mon médecin qui m'a dit bah écoute ça c'est pas bien non plus mais au lieu de rouler à contresens sur l'autoroute tu seras en excès de vitesse juste. Ah ouais. Tu vois. Banana, juste. Et je dis, ah ben bah, c'est peut-être pas si mal. Quoi, tu ah, vois. Une et vrai. j'avais si, <laughs> vraiment dit, et si ça, ça donne le cancer <laughs> Il m'avait dit, et tes deux paquets de clopes par jour, ils te donnent quoi à la fin d'après toi Il <laughs> m'a dit, ah oui, ok. So, ouais. <laughs> um, Rover 200 Power. Nous lance peut-être dans la partie du, du, du show que j'aime bien faire avec tous les guests. Uh, an English saying for you. It's one if, if, you haven't, if it is one that you have not heard before, stick that in your pipe and smoke it. Vu qu'on parlait de, 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 de fumer. Est-ce que tu connais cette expression anglaise? Pas du uh, tout. Anglaise bah, parfait. Je vais mettre le jingle de uh, Express yourself. C'est la partie uh, où uh, on passe du temps uh, à vous. Les spectateurs nous envoyaient euh, les meilleures expressions préférées anglaises okay. euh, et on va voir je si Fabien ça. est au courant et on les traduit. On a du fun avec. Je fais le jingle. Send me your favorite expressions in English or in French and we'll see if my guest understands them. All right, stick it, stick that in your pipe and smoke it. Littéralement, ce serait quoi, si tu traduis littéralement en français? Uh, stick that, je ne euh, savais pas comment. Euh, ça veut dire euh, mais ça, genre ah oui, fous ça dans ta poupée, dans fume, ta poupée, là, fume Bah va te faire enculer quoi un peu hein <laughs> Un petit peu... Ah, mais du coup, moi j'ai un doute maintenant. Stick that, your, stick that in your pipe and smoke it. Ouais, c'est un peu ça. C'est un ah, genre, euh, euh, Ouais, c'est... Stick that in your pipe and smoke it, you piece of shit. <laughs> c'est <c> <laughs> ça... Pour le suivre, c'est genre... Ouais, euh, suite, ouais. Euh, je crois que c'est ça. Mais euh, Rover, dis-moi si je me suis trompé ou pas parce que j'ai complètement En tout cas, ça paraît très agressif, Rover, comme ça. Euh, euh, donc, pas les bourrer euh, avec de la bière sans alcool. C'est ça Absolument. Euh, Where uh, where the, where the, 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 the phrases? Attends, je vais descendre tout en bas des commentaires. Sit on an egg and rotate. Ah, uh, ben là, on est sûr que c'est agressif. Sit on an egg and rotate. Exactly. Stick it up your ass. Yes, exactly. Uh, similar sort of things. Right. Uh, let's go. Expressions in English. Let's go. Um, le le son est plus grave? Non, je pense que juste on est en fin de journée et qu'on parle un peu plus grave, non? Peut-être. <laughs> Écoutez, vous n'entendez oh, que le son okay. de ma voix. Euh, ouais. Ok, Mathieu, euh, Jean, Jean Mouguin. Enfin, j'aime bien son nom. Oh, Jean Put Mouguin. It Put it on the back burner. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Alors, j'ai le visuel parce que je viens de, de. Parce que moi aussi, des fois, ça fond. Alors, alors ça, fond... c'est génial parce que tu as des populations de neurones et il faut vraiment que tu bascules de l'un ouais. à l'autre. C'est passionnant. Euh, donc, le back burner, c'est. Euh, quand tu es en train de cuisiner okay. et tu as le, le, la, la plaque de cuisson, okay. the back burners, c'est ceux qui sont derrière, the front burners, et c'est ceux qui okay, le, le okay. burner parce okay. que tu as le gaz ah ouais, qui est sûr, cool. Bien sûr, bien sûr. Donc tu le mets sur the back burner. Okay. Donc visuellement, c'est assez. Ouais, tu tu le mets sur celui du fond. Ouais. ouais, et donc quand tu cuisines, pourquoi tu mets un truc euh, sur le fond bah, vraiment, parce que j'ai besoin d'une plus grande plaque, moi, personnellement. Et que la grande plaque, elle est au fond. quest que <laughs> Mais c'est parce que tu as besoin de cuisiner un truc tout de suite. Ouais, ouais, non, mais bien Et sûr, ça, tu mets en attente. Ah, ouais, tu mets en attente, c'est ça. Donc, euh, c'est exactement ça. C'est genre, tu as une idée, surtout toi, avec tes, tes milliards d'idées. Ah, ouais. Tu Et dis, ah, bah, as... cette idée, okay. this idea, uh, ouais. I have to put it on the back. On n'a pas d'expression comme ça, nous, pour, pour, pour ce truc-là. De... Ah, si, on Je... va dire, mets-le sous le coude. Ah, Mets-le sous le coude, ouais. c'est genre en attente. Euh... Ouais, Mets-le-toi sous le coude pour un moment et en fait, ça fait référence un peu à une ah. feuille de papier pour pas qu'elle s'envole. En fait, tu vois, tu, le, tu vas le garder. de côté Et tu heureux. reviendras dessus. Ok, ouais, euh... ah, yeah. ouais, bah voilà. Um... Ouais, laisse le mijoter. Ouais, c'est joliment dit. Uh, laisse le mijoter, exactement. Uh, I'm going cold turkey from geography pods. Ah, attends, je, je voulais dire à, à Tatiana Tara euh, que oui, on pouvait pas être en live aujourd'hui. C'est pour ça que là, je réponds à ta question qui vient de poser à la seconde. <laughs> Et là, se... peut-être Tatiana, elle se dit Ah ben voilà, ils sont pas en live, c'est bien <laughs> ce que je disais. <laughs> uh, donc I'm going cold turkey. Oui, mais alors pourquoi uh, Je te donne un indice, un indice ou une indice Un indice. Chez vous, en bas de votre écran. C'est une référence à une vieille émission française. Oh, yeah. uh, là, en ce moment, je suis en train d'aller cold turkey. Okay. Depuis le début du live, enfin depuis euh, oui, pour ce live, I'm ouais. going cold turkey. Bah non, si j'étais en train place. de parler à mes potes anglais et euh, je disais euh, guys, every Monday at 8, you know, I drink a beer, whatever, drink wine with a guest, but for today, uh, I'm going cold turkey okay. With Fabien. OK. Donc tu tu, tu, tu vas rester sob, tu vas rester smooth, tu vas Exactement, okay. ça veut dire que okay. je ne sais pas d'où vient l'expression bah, bah, ouais. cold turkey. Par rapport à « warm turkey », parce qu'on n'a pas « you're going warm turkey je, », je, je vais faire, euh, je vais faire, euh, c'est quoi un « turkey en » en français Un, un dinde, un din, une ouais. dinde. Je vais faire la dinde froide. J'ai aucune idée d'où ça vient, mais ça veut dire ça, en fait. <laughs> bah, ça veut dire que tu, ouais, je sais pas. La dinde, c'est un peu la fête, mais tu fais la fête froide, quoi je ne sais pas si quelqu'un a la... Que, George, que... Geog Geography, po Matt, Matt uh, Podbury, uh, if you have the answer to where cold Turkey... Ou sinon, quelqu'un regarde sur Wikipédia maintenant. Uh, et puis... Uh, oh <laughs> uh, right, Zaki, to steal someone's thunder. Thunder uh, Thunder, c'est... Uh, c'est le, le tonnerre, non Le tonnerre. Donc, voler le tonnerre. Tu voles le tonnerre de quelqu'un Voler le tonnerre... Quand, quand, quand tu lui voles la vedette, quand tu lui prends yes. le vide. Ouais. Exactement. Okay. Exactly. Euh, genre pendant ton spectacle, ton labouré devant à Bruxelles. J'avais peur qu'il fasse ça. Il, il a presque volé... Euh, c'est ça. Yes, good work. Uh, don't cry over spilled milk, Marine Black Price. Ne pleure pas... C'est quoi des spilled Spilled, c'est du, du, du lait renversé. Ne, ok. Ne... ne ne pleure pas. Ah, bah ne viens pas te plaindre pour ce que t'as fait, non Non. Euh, ah, en... ne, ou alors ne te plains pas pour un truc pas grave. C'est ça. Okay. Bah, c'est plus ne te plains pas, c'est ne pleure pas. T'sais, sois ouais. pas si triste pour un ouais, truc. Ouais. On dit souvent pour les enfants qui, 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 qui explosent de okay. pleurs pour aucune raison, ouais. juste un petit truc, genre hey, calm down, don't cry over spill. Parce que je crois qu'il y a. Okay. Tout, euh, ou, en... ou vous leur dites ça, ou vous leur dites tu le mets dans ta pipe et tu la fumes. Quoi. <laughs> Après 5 ans. Ça, c'est après 5 ans. Tu commences par la phrase dans le Cry Milk, parce que les Anglais, on boit du lait au petit déj souvent avec les céréales. Donc, j'imagine le lait, il tombe. Enfin, il ouais. tombe, il, il se spill. C'est se... pas un drame, quoi. Non, exactement. C'est pas un drame. <laughs> burner, c'est pas, euh, pas à petit feu Pas à petit feu, peut-être. Je sais pas. J'en Je, sais rien. Euh. Euh, euh, tu vois, as créé de la merde, toi, à dire The, the Live is Live, tu sais, personne... <laughs> la, est... la 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 la. <laughs> ah, euh... ah, on a quelqu'un de la Turquie, euh, mais euh, ça... ça, ça... Maxime Boutet, euh, en Québec, c'est pas, bon bon, à... pas, bon... <laughs> pas bon... la C'est pas bon, la dame Fret Mais uh, il est euh... quelle heure chez toi, là euh... il est, euh, il est... Maxime, il, est, euh, il doit être 15 de heures. Moins. 5 ou six de moins parce qu'on a changé d'horaire, ah oui, bah oui, mais eux non sûr. je crois ah, pour ah, l'instant absolument um, alright, let's do a couple more uh, 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 ça on l'a déjà fait ple plein de fois uh, 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 alors, uh, keep calm uh, keep calm and carry on, ça c'est le truc de de, attends where are we, where are we, Down the, uh, the term, right here we go coco, lastico, the term comes from the goosebumps people sometimes get goosebumps? in the days after they quit Which is like the skin of a D'accord. Apparemment, euh, ça viendrait du fait que euh, quand tu arrêtes de, 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 de boire de l'alcool, okay. après quelques jours, tu as la chair de poule. Ah, ok. Ou de de, de dinde. Et on dirait le. Ouais, on dirait la, le bon, mais c'est ça, ce serait une vraie réaction physiologique à un sevrage d'alcoolisme Apparemment, je n'ai jamais entendu parler, pour être bah, honnête. Parce mais... que tu n'étais jamais sevré, Paul. C'est peut-être <laughs> pour ça. Ouais, pas plus que. Pose-toi la deux bonne jours. question. Ta ouais. communauté et moi, bah, on se pose matin, des questions. Tord, <laughs> demain matin, je t'enverrai un, un, une photo de mon ça. bras. <laughs> um, there we go. E.T., uh, ouais, happy as a pig, pig, pig in, in muck. muck. Or. « Happy as a pig in shit », on l'a déjà fait euh, avec, euh, je m'en rappelle plus qui, mais elle est tellement bien, cette expression. Parce qu'en vrai, euh, c'est facile, ça veut juste dire que t'es très content. Non, non, mais c'est ça, mais, mais je trouve ça drôle. Mais euh, ouais, je sais pas si on a une phrase en, en français qu'on si, ah, il est aussi content que... Enfin, que pas... » s'il avait été aux zénith de Paris de Fabien où le 11 décembre Peut-être, peut-être, ce sera une expression, peut-être. Non, non, on n'a pas... Nous, on a, on a quelques expressions imagées, mais à chaque fois que je vois les expressions anglo-saxonnes, je, je trouve que vous avez beaucoup plus d'expressions que nous et beaucoup plus d'images que nous. Tu trouves Nous, on a des métaphores, on a des proverbes, tu vois. On a oui. plus des proverbes ouais, que des images comprends. comme ça, je trouve. Euh, je comprends. Euh, 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 Sacha, honawer, honawer. Uh, it's up your alley. I don't know. Uh, donc, alley, c'est une allée. Uh, up oh your oh. alley. J'ai compris le sens. C'est le même. Enfin, uh, « If something is up your alley, I would say, genre, je te dirais, uh, um, uh, va, voir, uh, hey, va voir le spectacle de Fabien Liquaire au Zénith uh, le 11 décembre. Uh, I think it would be right up your alley. Ok, d'accord ça veut dire ouais, ouais. en mode uh, je pense que tu ouais, vas ça, kiffer ça, ça, ça fais, uh, va le faire pour toi cette ouais, bière ouais. uh, goûte la ouais. parce que je pense I think it will be okay. up your alley uh, right let's do let's do uh, a couple more hold on hold on hold on dis-moi si t'en trouves <laughs> un uh, et que t'aimes bien aussi back burner sounds like a sex position <laughs> Ça, Jean-Christophe. Jean bah, nous, ça fait un peu les burnes noires hein, <laughs> en français, quoi. On va pas, se, pas se mentir. <laughs> oui, parce que burnes en français, c'est les, les, les couilles ou c'est la C'est les gosses, comme diraient les Canadiens. Les, les gosses. Alors le... que nous, les gosses, c'est les enfants. Tu vois, On s'en sort plus. Uh, 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 right, Valérie Soleil, he's a mug or she's a mug. Jamais, on ne m'a jamais dit ça. Est-ce que c'est bon signe? Uh, ouais. Ok, cool. Enfin, tu, on, si on l'a jamais dit par rapport à toi, oui, c'est un monstre, oui, mais. Oui, on euh, l'a jamais dit à tu, moi. Tu l'as jamais dit, on l'a jamais. Ouais. Ok. Si on dit. Euh, si on dit. Eh, hey, tu connais Verino Ouais. Ah, il est fucking mug. Mais ça, on me l'a souvent dit. Par contre. <laughs> enfin, toi, déjà, quand je suis arrivé là tout à l'heure, tu m'as dit ça J'étais avec Vereno, il est fucking mug. Il est fucking mug. Donc, et, et, et du coup, je croyais, comme moi je l'aime bien, je croyais que c'était un truc de sympathie. <laughs> pas du tout. Du non, je sais pas. Est, ça veut dire que c'est un con, quoi. Euh, mais je sais pas d'où ça vient. Je crois que c'est court pour. Je crois qu'on a déjà fait il y a longtemps, longtemps. C'est uh, mugshot. C'est quand es, tu vas en prison okay. et tu prends la photo, tu sais, avec tous les. Ouais, ouais, tous ouais, ouais bien lignes. sûr, les lignes. Ça s'appelle un uh, mugshot. Ok donc je crois que ça vient de ça en okay. fait he's a mug okay. Okay. genre c'est un mec un, euh, qui... un mug pour mon café Un à voir non, avoir, non je coup. crois pas ouais c'est un gars en mode tu il va en prison il est tellement ouais, il ouais, est ouais, con enfin ouais. il est je crois um, alright one more one more one more break a leg bah, au moins dans le spectacle celle-ci on la connaît ah, break a leg bah oui mais vous je, je préfère votre version de break a leg que la nôtre. la notre merde 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 euh, tu sais pourquoi on dit merde ou pas alors, euh, on m'a donné une hypothèse que c'était parce que, à l'époque, les gens, ils allaient au spectacle euh, en chevaux. En calèche. En calèche. Bien sûr. Et euh, du coup, s'il y avait beaucoup de merde devant le théâtre, ça, dire, ça voulait dire qu'il y avait beaucoup de public. Ouais, c'était presque ça. En fait, tous les théâtres avaient des grands tapis rouges dans, dans le théâtre qui allaient de dehors au théâtre. Okay. Et donc, s'il était rempli de merde... Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de monde parce que les gens avaient marché dehors, parce qu'il y a eu beaucoup de calèches. Donc, ils étaient obligés de marcher dans la merde avant de marcher sur le tapis. Donc, c'est ça. C'est pas dehors, c'était vraiment le tapis et tout le théâtre qui était plein de merde. D'accord. Donc, on souhaite à quelqu'un d'avoir un tapis rouge qui déborde de la merde. Bien bien sûr la merde. De, un tapis marron à la fin. Un tapis ouais c'est un, un tapis marron. marron. Et ce que j'ai appris, c'est qu'on n'a pas le droit, de, nous, de dire merci quand quelqu'un nous dit merde. Ouais, mais alors, ça, ça c'est une légende sur la légende parce qu'il n'y a pas vraiment de trucs qu'on dit, il faut pas dire merci, ça porte malheur. Jamais entendu Il faut parler dire, de je ça, prends. Hein. À chaque fois ouais. que je vais en tourner, puis euh, les gens, ils me disent, oh, break leg. Moi, je merde. dis, va te faire enculer. On me dit merde et je dis, va te faire enculer. <laughs> C'est pas moi qui ai insulté en premier, ok Je suis pas le premier. Ah, <laughs> oh, chier. Eh bien, écoute, tu t'en es bien sorti avec les expressions anglaises, en vrai. Bah, pas tant, mais par, oh, contre, ah, ça par contre, je trouve ça très rigolo, moi, à voir. Ah bah c'est moi je trouve ça c'est les gens ils adorent faire ça euh, et si on, on faisait euh, pour terminer la première partie de ce live euh, un peu euh, un, un question réponse hyper rapide genre euh, bang, bang, bang 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 yeah, exactly. ouais, en mode bang okay. bang po ou poivre <laughs> Ou, ouais, c'est soit des ou, ou ou juste des questions euh, genre euh, qu'on peut répondre très très vite quoi. À chaque fois, on fait deux questions et la deuxième question nous fait partir sur un autre truc. C'est euh, ouais, ouais, ce à chaque fois ce qui se passe. J'ai pas de jingle pour les questions. I should create a jingle for the questions. En gros, si euh, je dis give me a mug dans une boutique, on va me donner un con absolument romain. <laughs> yeah, G give me a mug. Now give me a mug, mais he's a mug. Um, on attend que ça se cumule un peu avant d'y aller ou... Ouais, ouais okay, ou sinon, okay. on, ça va aller ah, vite. Va aller, A -A -A Alicia, euh, série ou film euh, Série. Ouais. Parce que je me demande pas ce que je vais regarder pendant des semaines. Ah ouais, pas mal. Moi, c'est euh, film parce que euh, les séries, c'est trop. Je, mon, mon cerveau, il, il, j'aime un début, milieu, fin euh, en trois heures. Ok j'en arrive pas mais les séries nouvelles là c'est un peu mieux parce que c'est 10 épisodes c'est plus gérable c'est ça ouais c'est 45 minutes une heure avant quand c'était 24 24 saisons genre la série 24 c'est 24 épisodes de 1 heure non non moi c'est les Sherlock par exemple c'est des épisodes d'une heure 30 quoi tu chien ou chat chat pareil même si je déteste le mien c'est vrai que je déteste frites ou pareil frites friture friture euh un casse-tête euh, que tu n'as jamais euh, résolu euh, Pour l'instant, je n'en ai pas. Le seul que j'ai jamais résolu, c'est que j'ai compris que le, le nombre de mouvements est exponentiel. Donc, il est fait pour, euh, je crois, c'est 3 millions de mouvements qu'il faut faire pour le finir. Donc, c'est une philosophie du casse-tête, mais il est, il est insolvable. Wow. Donc, un casse-tête, c'est un, un puzzle où il faut ouais, réussir ouais, à ouais, faire. Ouais, un puzzle truc. box, hein, okay. peu importe. Il ouais. y a un gars sur Internet. Euh, Chris enfin, il fucking hell. Je l'adore, celui-là. Ah ouais, c'est trop bien. Euh, euh, qui voit le moins bien Margot, bah tiens, je, lui. je propose. C'est absolument lui. Parce que j'ai pas besoin de lunettes, je fais ça pour la fame. Ouh, t'as l'œil gauche qui est vraiment. Ah est mais toi, t'as un, 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 un truc. Euh, je suis astigmate, euh, astigmate, ça veut dire que l'œil, il est un peu. Ça, ça veut dire que pour moi, les lignes, elles bougent un petit peu, rien n'est. D'accord, mais t'as es, pas moins ou plus non, euh, non, non, non juste astigmate. 9 9. Euh, D'accord, euh, moi, c'est ouais, moi, du moins 1. Ouais, je crois, sur, ou moins 1 en 75. Pourquoi on fait pas du laser moi, euh, à, à chaque fois que je vais à, à l'Ophtalmo, il me. Genre, il veut, me, veut le vendre. Je sais ouais. pas s'il a des parts dans le truc. Ouais. Mais je suis là. Moi, j'aime bien ma tête avec les lunettes, en fait. Ouais. Donc, laisse-moi tranquille. Moi, j'en ai jamais eu, en fait. Là, en fait, je les ai eu pour me, me soulager. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est génial. Donc, je les mets tout le temps. Ouais. Mais du coup, comme j'en ai jamais eu. Mais toi, du la, me tu peux faire peu. du laser quand t'es un stigmate Ouais. Ah ouais okay. Pas, pas depuis, longtemps, depuis hier. Enfin, c'est un mec dans la rue qui me propose. <rire> 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 euh, 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 pa Paris ou Marseille la Rochelle. <laughs> Clairement. Euh, vrai ou missionnaire là, On a des bonnes questions. vrai c'est dans Ghislain, c'est ça bah, Ouais, bah, ça, vraiment, ça dépend. Ça dépend. Avec qui Non, pas avec qui, ça dépend de ton mood. C'est ça qui est bien avec, avec euh, ton avec ou ta partenaire. Bon. C'est qu'il y a des fois, tu es dans un mood, des fois, tu es dans un autre. Des fois, tu veux voir le visage, des fois, tu veux pas voir le visage. C'est, Non, moi, je n'ai pas de préféré, en fait. Ouais, moi non plus. Ça dépend. Euh, Allison, Fabien, quel est ton accent préféré dans le monde anglophone euh, je déteste vraiment certains accents américains euh, où vous avez l'impression de même plus comprendre l'anglais. Okay. Euh, celui qui m'a fait le plus rire, c'est en Écosse oh, où je merci. travaillais sur les bateaux de croisière et tout. Bref, je me perds vers euh, vers euh, un, un site touristique. Je vais manger dans un petit routier, tu vois. Et puis euh, je dis OK, je vais prendre un burger. Donc on m'amène euh, du pain euh, trop cuit, à un steak euh, comme ça. Et pas de salade, pas de sauce, rien évidemment. Donc je me dis, il faut que je boive pour ça. Je demande une bière, une bière, une bière. Il ne comprend pas ce que je dis. Une bière, il ne comprend pas. Je mime mets tout, quoi. Il comprend pas. Donc je vois euh, qu'ils ont de la Guinness, donc je demande une Guinness, tu vois. Il ne comprend pas non plus. Putain, je vois une affiche de Guinness, donc je fais... Ah là, ah là, ah, 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 comme ça. Ah. Guénouche. Ginouche mon frère qui parle comme ça sans déconner qui parle comme Guinouche ça je crois qu'il se foutait de ta gueule ouais, moi euh... je crois que j'étais vraiment dans le dans le nord mais tu sais <laughs> ouais. c'est comme il chez nous C'était ouais. ouais, ah, terrible donc ouais. euh, non non c'est en fait ce qui est amusant pour le coup moi qui voyageais beaucoup pour le boulot c'était de voir à quel point personne en fait on a tendance nous qu'on est français à oublier que nous on a plein d'accents en France et qu'il y a plein d'accents en fait euh, anglophones, mmh. tu vois ce que je veux dire et ça on le zappe, on l'oublie ouais. je crois qu'il y en a même plus, j'ai pas le chiffre mais en tout cas euh, le Royaume-Uni par euh, 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 territoire géographique a, euh, a beaucoup plus d'accents tu vois, entre Liverpool et Manchester, c'est ouais. à 30 000 mais, mais même à Londres, plus t'es es proche de la Tamise, moins oui. c'est le même accent que plus tu oui, t'éloignes tu, ouais. de la ville. Enfin, c'est un délire. Quand ouais, même. Ouais. Ouais, on a, je ne sais pas pourquoi on a, les accents sont beaucoup plus homogénéisés. Ouais. <laughs> Il a Elle est à 0%, la vie. Il hein. dit des euh, mots quand même. Euh, en, en France. Euh, parce qu'en euh, France, tu la, la grosse partie du milieu qui est ouais. presque pareille. Tu as le sud et le nord et, euh, et le sud-ouest. Ouais, c'est euh, vrai. Ouais, 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 vrai. Et tout le reste, c'est plus ou moins la même chose. Chez nous, c'est complètement différent. Mais ouais. Moi, mon préféré, c'est. Euh, je crois que c'est irlandais ou uh, australien. Moi, j'aime bien euh, les australiens. Uh, good question. Uh, from. Where is it? Nicolas D. Stand-up uh, ou, ou live YouTube Genre. Uh, uh, scène scène ouais. ou, ou, ou YouTube Non, non, la scène, stand-up. Bah, ouais. En cool. fait, nous on fait tout ça pour ça. Hein. Le reste c'est pour rigoler, et ça nous permet de nous exprimer autrement, etc. Mais je pense vraiment que tous ceux qui à la base font de la scène, comme Verino, toi, moi, etc. F... C'est la scène d'abord, hein, en vrai. Ouais, c'est euh, exactement ça. On fait ça pour remplir les salles et euh, ça fonctionne plus ou moins bien. Euh, wasabi en uh, of Twitch, apéro ou repas? Euh, non, repas, moi je préfère. Ouais, c'est un peu. Euh... Oh, il y avait Pierre Bock. Pierre... Regarde, remonte un tout petit peu. Ah ouais. Pierre Bock, c'est un mentaliste là qui dit C'est vrai Ah ouais, Pierre Bock. Ah bah ben, Pierre Bock. Ah ben, il, est... il est dans une salle de spectacle ben, je... Il est dans une de mes salles d'ailleurs. Je ne ah. sais pas laquelle. mais Et, euh... Et on travaille sur tous mes projets de mentaliste. Je travaille avec lui. Donc, il, il a co-créé la boîte dont on parlait tout à l'heure avec moi. Ah, trop bien. Donc, euh, ouais ouais. On confronte nos idées, on se fait marrer, on monte le truc trop haut. Après, il faut qu'on le redescende un peu. On part en délire. Ah, ouais. Euh... Uh, what else have Maillot, je... maillot. Bah, tu vois, <laughs> il me connaît très bien, par exemple. Ah, ouais, qui ça, ah oui, Pierre Boc. Ouais. maillot, maillot, c'est un une, uh, a, 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 a private joke bah, Presque pas. Hein. C'est-à-dire que moi, je cherche vraiment ce que je vais mettre avec ma maillot, en fait. C'est ça, mon... Tu vois, quand je me dis, je mange quoi ce midi pour aller avec la mayonnaise Tu vois C'est vrai ah, C'est vraiment, on n'en est pas loin, ouais. ouais. Ah oui, oui. <laughs> Genre, c'est quoi ton top 3 de trucs que tu manges avec la maillot euh, En, en top, truc, top 3 des trucs étonnants, vachement bons avec de la maillot. Euh, le camembert. Très, très bon avec de la mayonnaise. Non. Très, très bon. Non. Je te jure. Alors là où, où, depuis 12 ans en France, je défends la bouffe anglaise, euh, où j'essaye de dire, oui, on mange pas que de la merde en Angleterre, toi, tu me sors un camembert maillot. Bien mayo. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais attends, comment tu, co concrètement, tu... Ah, con, con, concrètement attends, tu, tu coupes ton, ton triangle de maillot euh, de, de, de camembert Tu le trempe dans le maillot, tu le mets dans ta bouche oh. Excellent, essayez ça un jour. Deuxième chose très très bonne avec la mayonnaise. alors ça, j'aurais juste envie pour la deuxième partie de ce live, une fois qu'on termine ouais. ça, d'aller acheter euh, du camembert pendant la pause, d'acheter euh, camembert Mais, et mayo bah, On va faire ça dans là, la deuxième pas partie. En plus, euh, euh, okay. la deuxième, deuxième chose, euh, un bon cassoulet, cassoulet mayo, la vie. J'ai envie de te dire. <laughs> alors cassoulet, rappelle-moi. C'est les, 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 les beans avec les saucisses. Tu vois, oui, euh... un peu dans un pot avec ouais, des ouais. patate. Ok, ça, ça, ouais, ouais. je, ça, je... Mayonnaise avec. Ouais. Et, euh, et le troisième truc très étonnant, mais figure-toi qu'à mon contact, beaucoup se mettent à le faire au bout d'un moment. C'est la le, tu tartines ta pizza de mayonnaise. Tu sais, c'est drôle parce que j'ai pensé à ça. Et, bah, pas parce que je savais pas que tu allais sortir ça mais je me souviens c'était hier euh, je me souvenais quand j'étais ado en Angleterre je prenais des parts de pizza et nous il euh, y a un truc de Heinz mais okay. c'était pas de la mayo ça ah s'appelait ouais. de la salad cream okay. donc c'était de la mayo à un tout petit plus, peu épicée, un peu ah, sucré il ouais. y avait un truc dedans et je me souviens tu mettais ça dessus et c'était euh, ah délicieux. moi je mets de la mayo et surtout si la pizza est au fromage toi tout se recoupe Bon je, ouais pizza fromage euh, mayo euh, on rien. salue euh, tous les Italiens, salut! Euh... Euh, très bien, bah écoute, euh, pourquoi euh, on, on s'arrêterait pas là sur euh, la première partie, justement? Parce que je, je trouve on ne peut pas terminer ouais. mieux que là, du camembert avec de, de la maille. <rire> <rire> euh, pour les gens qui connaissent le live, vous savez ce qui se passe, c'est qu'il y a une deuxième partie. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, la deuxième partie. Euh... C'est celle qui vient après la première. Exactement, euh, euh, Qui se trouve sur uh, patreon.com slash Paul Taylor. Euh, en gros, euh, Patreon, c'est une plateforme que les artistes comme nous, on peut, euh, on peut gagner euh, de l'argent en proposant du contenu exclusif. Donc, il y a des gens qui créent leur propre plateforme. Moi, j'ai décidé euh, de, de faire un truc sur Patreon. Scrum Only Fans, but without the set. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je me mette la tenue que tu m'as dit de me mettre. Oui, c'est ça. Okay. Ouais, c'est juste sur le. Enfin, ah, une fois que as lancé le Patreon. <laughs> <Ouais. rire> en gros, euh, euh, le principe pour mon Patreon, c'est que vous m'achetez des bières euh, virtuelles, et pour euh, les bières virtuelles, vous avez tous accès à la deuxième partie, non seulement de ce live-là, mais tous les autres lives que j'ai fait euh, avec tous mes autres guests. Euh, et en gros, plus de bières, tu lâches, plus de contenu exclusif, tu as. Donc, euh, un bon donc euh, pour les gens de Patreon, on va se voir dans quelques minutes. Si tu ne nous, nous rejoins pas, you know, showing up, the thing. Euh, Fabien, euh, c'est quoi ton truc préféré Où on peut te retrouver C'est là où tu mets ton plus de boulot c'est Dis-moi où on peut... Euh... Ça, ça reste YouTube en vrai. YouTube, c'est ouais. ton truc... Euh, J'ai donc... une super vidéo qui est sortie ce soir. Si vous Fabien Olicard, mais ce soir hier, parce que là on n'est pas en direct, euh, justement. Donc, ah coup, oui, c'est vrai, c'est vrai, ouais. <laughs> Mais tu m'as dit qu'on était censé être lundi 8 novembre, c'est ça. <laughs> donc euh, Fabien Olicar en euh, on, euh, on, euh, fucking YouTube, hey, on a là exactement la même couleur de... de, de, de ah oui, c'est vrai, bah, en fait, le bleu... Je P3, savais quoi. que je venais, donc... Euh, donc la dernière vidéo, c'est celle-là, non, ça c'est il y a trois semaines. Euh, est, euh, ouais, est, elle est, est disparue. Elle. Euh... Non, non, c'est ouais. ouais. Mais du coup, t'as une... Ouais, ouais, c'est juste le... Bref, euh, Fabien Licarb. mais il est aussi euh, sur tous les autres réseaux sociaux, Facebook, euh, Instagram, Instagram. Euh, Twitter. Ouais, très peu. Mais très j peu suis. sur Twitter. Ouais. Euh... Dès qu'on dit un truc sur Twitter, ça va être si vite. Ouais, c'est impossible. Uh, alright, ladies and gentlemen. Bah, merci uh, d'avoir été là pendant la première partie. Uh, es pas... Est-ce <laughs> <laughs> uh, est que tu nous fais une phrase de fin, Fabien Et puis uh, je fais le, le jingle de l'outro juste après. T a, t a, t a, t a... Je te fais un décompte de fin. Ok. Et uh, un décompte alphabétique. Donc Z Y X W V U T -S, S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A. <tousse> Thanks for watching Paul Taylor's Happy Hour Live. See you dickhead soon for another episode.